Waouh! Que se passerait-il si, par inattention, votre enfant tombait sur un clip pornographique? Que se passerait-il si, par inattention, vous-même, vous tombez sur un clip qui révèle toutes les parties intimes d'une femme? Quelle serait votre réaction? Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nyansreban. En dessous de cette vidéo, surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez cliquer là-dessus pour vous abonner, cliquer sur la cloche pour l'activer et pourquoi pas cliquer sur j'aime, comme vous serez touché par tout ce que nous allons vous révéler ici. Il y a quelques semaines, nous vous avions dit que en sortant de notre maison, nous avons vu à la télévision une femme habillée très sexy dans un clip en train de se déhancher, de danser comme c'est pas possible, comme si elle ne danserait plus encore. Et quand elle dansait, elle remuait carrément ses fesses d'une manière que tous ceux qui la regardaient étaient tous envoûtés sur le coup. Waouh! Mes frères et sœurs, voici ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Ça fait que pour regarder la télévision, même à la maison, c'est un peu compliqué pour certains parce qu'ils ont peur que leurs enfants tombent sur des clips bizarres où on voit tout simplement la nudité de la femme exposée. Et nous, on se pose la question de savoir, mais pourquoi le diable aime tant exposer la femme ici? Pourquoi? Mes frères et sœurs, si le diable expose la femme de la sorte, c'est parce qu'il sait que la femme a un puissant pouvoir de séduction. Et la femme peut séduire n'importe qui sur son passage, si et seulement si elle a tout ce qu'il lui faut pour y arriver. Pour cela, les gens ont créé les make-up. Le diable a créé les make-up. Ils ont aussi créé les vêtements sexy. Ils ont également créé tout ce qui est sensuel, tout ce qui est sexy, afin d'embellir la femme et d'exposer son caractère sexuel ou encore attirant tout ce qu'elle a de plus précieux. Du coup, ceux qui regardent de tels supports ou encore de tels clips, dès qu'ils seraient en train de regarder cette femme, ils seraient tous en train de recevoir quelque chose qu'ils vont facilement accepter. Est-ce que vous voyez? Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les gens ne peuvent plus faire des clips sans mettre des femmes nues. Ou encore sans mettre des femmes dans les clips, sans exposer la femme, sans qu'une femme soit là pour jouer un rôle. Et certaines personnes ont même appelé cette histoire le jeu du mâle et de la femelle. Et au travers de la femme que les gens mettent dans les clips, le diable transmet un message caché aux gens. Ça veut dire que la femme est devenue ici comme un instrument que le diable va maintenant utiliser pour véhiculer un message puissant, même un message destructeur. Oui, et ça à tout le monde, et en particulier nos enfants. Et si vous rencontrez cette femme dans ce clip et que vous êtes séduit par son apparence, par sa manière de danser, tout ce qu'elle va vous présenter dans ce clip, vous l'accepterez tout de suite. C'est à ce moment-là, vous allez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'une femme sexy dans un clip peut me communiquer comme information cachée? En fait, une femme, le rôle d'une femme dans un clip va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Au premier niveau, on vous a dit qu'elle est là juste pour attirer le regard des gens parce que, vu sa beauté, on ne choisit pas n'importe quelle femme, n'importe quelle fille pour faire le clip. En général, ils choisissent des filles avec des critères bien définis
de sorte que vous puissiez avoir le regard sur elle. Tout le regard sur elle, c'est pour des besoins de marketing, mais ça va même bien au-delà de là. Comment vous allez comprendre ça facilement? Nous allons vous expliquer un petit clip que nous avons regardé aujourd'hui. Ça ne fait même pas 3 minutes. Pour transmettre ce message, le diable ne se fatigue même pas. En 2 minutes 58 secondes, il a déjà transmis le message, tout son message. Voici ce qui se passait dans un clip que nous avons étudié aujourd'hui. Dans le clip, on pouvait voir au commencement un homme arrêté carrément sur le toit d'une voiture Hammer. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la voiture Hammer là? Les voitures Hammer qui ont la taille d'une limousine. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Voilà. Et ça se déroulait dans un pays très riche. Et cet homme, comme d'habitude, il est descendu de ce véhicule-là et s'est tout de suite rendu vers une très belle femme qui était aussi arrêtée avec ses amis. Et elle était tout simplement arrêtée là avec ses amis. C'est comme si tout était prévu. Oui, parce que tout ce qui est fait dans un clip est prévu d'avance. Comment la femme doit danser? Qu'est-ce qu'elle doit donner comme message? Tout ce qu'elle doit faire comme geste? L'habillement? Tout est étudié. Il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas se tromper. Tout est bien fait. C'est comme un film ou encore un scénario. Et quand cet homme descend de son véhicule, il se rend direct vers la fille qui est avec ses camarades. Et elle aussi, elle va sentir que c'est pour elle que cet homme est venu. Du coup, le jeu du mâle et de la femelle va se créer en ce moment-là. C'est en ce moment-là, vous allez voir la fille qui va se faire désirer. Non, je ne veux pas, je t'aime, non, je ne veux pas, je t'aime, oh non, je ne veux pas. Tu sais, je suis prêt à décrocher la lune pour toi. Voilà, et c'est comme ça le jeu du mâle et de la femelle commence. Maintenant, nous les spectateurs, nous sommes braqués sur quoi? Sur l'histoire qui est en train d'être véhiculée dans cette musique ou encore dans ces clips. Est-ce que vous voyez? Et pendant que nous sommes concentrés sur l'histoire qui est en train d'être véhiculée par ces personnages-là, voici qu'ils vont profiter de cette belle opportunité pour ajouter dans cette histoire-là des signes, des symboles occultes, des symboles sataniques. C'est à ce moment, vous allez voir le un œil fermé qui signifie l'œil du diable. Vous allez voir ça, comme ça, à chaque fois. Ce symbole-là, ce signe-là, faites attention. Quand les gens font comme ça dans un clip, le premier doigt qui est ici forme un 6, le second, un deuxième 6, puis un autre, le troisième, un troisième 6. Le tout réuni, ça fait 666. Et vous allez voir que dans cette situation, comment vont exposer ces signes-là? En fait, ils vont présenter une situation où cet homme-là va dire à la fille, par exemple, que « Wow, vraiment, tu es très belle. » Et pour exprimer à la fille qu'elle est très belle, ça se met, il va faire comme ça. « Tu es très belle. Tu es très belle. » En quoi le signe 666 exécuté avec les doigts comme ça correspond avec cette expression? C'est à ce moment, vous allez être étonné. Et vous allez voir que plus tard, la fille va maintenant faire un clin d'œil à cet homme du genre comme ça. Maintenant, nous, quand on regarde ça, tous ces différents éléments-là ne nous importent peu. Parce qu'on se dit que nous sommes là pour la musique et aussi pour l'histoire qui est racontée dans ces clips. Or, ils sont en train de nous révéler que la chanson que vous êtes en train d'écouter là est sponsorisée par un gars qui se trouve sous la terre, le bonhomme sous terre. C'est un collègue qui l'appelle comme ça, le bonhomme sous terre. Nous, on l'appelle ici le diable.
Voilà. Et là, à ce niveau, on peut dire, sans même risque de se tromper, qu'il y a un danger. Et c'est à ce moment-là que les autres messages vont les accompagner. C'est à ce moment-là, vous allez voir, la fille sera habillée de façon sexy. Et au fur et à mesure que le clip va se dérouler, va avancer, vous allez voir qu'elle va commencer à affirmer sa féminité. C'est à ce moment-là, vous allez voir qu'elle va devenir de plus en plus sexy et plus sexy que sexy. En ce moment-là, tous ceux qui vont regarder ce clip ou encore écouter de cette musique, eux, ils vont tout simplement, par amour pour ces deux personnages, ils vont tout simplement copier tout ce qui est autour de ce clip. Même involontairement. Parce que ça traversait leur subconscient, leur conscience pour aller dans leur subconscient. Et c'est en train d'agir là-bas. C'est à ce moment-là que les gens deviennent très fans et ils veulent vraiment copier tout ce que les stars font, même les mauvaises choses. Oui. Et c'est en ce moment-là, on a du mal à dire « Ah, telle chose n'est pas bonne. » Même si tu vois dans le clip, ils ont fait quelque chose qui est mauvais, qui n'est pas bien. Toi, mais tu sais que c'est pas normal. Comme tu as bien écouté le son et tu as vu tout ce qu'ils ont fait dans le clip, ça t'a attiré. Automatiquement, toi, tu vas laisser ça passer. Tu vas dire « Oh non, c'était rien, c'était juste trompé quoi. » En fait, tu vas commencer à ce moment-là à justifier leur péché. Parce que tout simplement, tu as déjà commencé à les aimer. C'est pourquoi nous vous disons, mes frères et sœurs, tout ce que vous allez voir aujourd'hui là, ne vous dites pas que c'est simple. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour s'amuser. Le diable n'a pas de temps à perdre. Il veut tout mettre en œuvre pour conduire les âmes en enfer. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous pousser à désobéir à Dieu? On nous a dit dans la parole de Dieu que les femmes ne doivent pas porter des vêtements d'hommes. Et c'est à ce moment-là que dans le clip, vous allez voir que cette fille-là va aussi être habillée comme un homme. Elle serait tout simplement habillée en pantalon. C'est à ce moment-là que vous allez dire que, oh, on a l'habitude de voir les gens habillés en pantalon. Quel est le problème avec nous? Vous allez même oublier que Dieu a dit de ne pas aimer les choses du monde des ténèbres, mais de les condamner. Vous oublierez tout ça parce que la musique vous a déjà emporté dans un autre univers. Et nous, quand nous avons regardé ça, nous avons vu que le diable, vraiment, il est très intelligent. Bon, il est rusé. Vraiment, il est rusé. Et quand on regarde le clip du début jusqu'à la fin, on voit que l'homme, c'est-à-dire le personnage mâle qui se trouve dans ce clip, lui, il ne fait que chanter tranquillement. Mais celle-là même qui transporte tous les symboles sataniques, y compris les styles vestimentaires interdits par la parole de Dieu, là, on va voir que c'est la femme. Tout ce fardeau-là serait porté par une femme. Et c'est elle seule qui va jouer le rôle de balancer tous ces éléments-là comme ça aux yeux du public. En plus, elle serait sexy. C'est à ce moment-là, il faut vous montrer une image ou encore une action où on va voir cette fille-là en train de marcher rapidement et on voit qu'elle marche de façon sexy. Et c'est à ce moment-là, la caméra va tout simplement se braquer sur ses fesses. Et du coup, elle va se tourner comme ça à l'arrière pour vous regarder. Pour dire que vous êtes tombé dans son piège dès que vous avez regardé ses fesses. Et ça, ce n'est encore rien. Vous allez remarquer ça. Si vous avez déjà remarqué ça même dans cet clip. Et tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, là, ce n'est pas pour jouer avec. Tous ces éléments que nous sommes en train de vous dire, ce sont juste des éléments ou encore des outils qu'on vous donne pour analyser tous les clips que vous allez regarder. Un clip véhicule un message caché. Quel est le message caché qui est contenu dans le clip que tu regardes? Il faut bien regarder. Tu vas voir un clip où tu vas voir un gars qui est habillé et celui-là même qui chante, c'est lui-même qui est bien habillé comme ça. Et tu vas voir qu'au milieu de ce vêtement, ou sur son dos, ou encore sur l'arrière de son vêtement, c'est à ce moment-là tu vas voir que
il y a une tête de mort qui est dessinée sur son vêtement. Toi, tu n'as pas de poser la question de savoir, mais pourquoi il y a une tête de mort, il y a une tête de mort sur son vêtement? Pourquoi tu vas pas te poser cette question? C'est tout simplement parce que tu as l'habitude maintenant de voir les têtes de mort partout, sans savoir que la tête de mort qui est là, carrément sur son vêtement, est là pour vous donner une information. Et cette information-là doit être livrée, ça doit être donné. Si ce n'est pas donné, ce n'est pas bon. En fait, qui veut qu'on donne ces informations-là? C'est le diable lui-même. En fait, quand le diable crée une œuvre, comme un vrai auteur, il aime mettre sa signature. Et ces messages subliminaux, ces signes sataniques-là, ce sont des signatures du diable pour dire que c'est lui qui est là. Et tous ceux qui vont apprécier cette chose-là seront tout simplement en train d'apprécier ce que lui-même il a créé avec ses démons. Donc la tête de mort est là juste pour représenter l'esprit de mort, la mort ou encore le péché. C'est en ce moment-là qu'un artiste célèbre dans un concert a dit à tout son public, vous avez péché avec moi parce que vous avez écouté des millions de fois ma musique. Nous en avons parlé en direct dans un concert. Il y a un artiste célèbre qui en a parlé, qui a dit un truc pareil. On a fait une vidéo là-dessus même, il n'y a pas longtemps. Ah! C'est à cause de toutes ces histoires. Parce que le diable a sa signature sur toute musique qui vient de lui. Toute musique profane. C'est en ce moment-là, toi, tu dois bien faire attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes. Regarde bien les informations que nous venons de te donner. Étudie bien ta vie. Et tu verras que le diable a encore la même mise sur toi. Tu allais poser la question de savoir, mais à cause de quoi? C'est tout simplement à cause de la musique que tu écoutes. À cause du clip sensuel, sexy, que tu regardes, tu as l'habitude de regarder. Ah, mes frères et sœurs. C'est à ce moment-là que vous allez vous poser la question de savoir, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les clips deviennent de plus en plus pornographiques. Les clips deviennent de plus en plus pornographiques. Et ça, les clips, les musiques enseignent de moins en moins des valeurs, des bonnes valeurs. Oui, vous allez vous dire. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que les temps vont se couler, les gens feront que des musiques qui parlent de femmes. Si c'est une femme, elle va chanter pour un homme. Si c'est un homme, elle va chanter pour une femme. Tout va tourner autour de ça pour créer une belle situation où ils pourront bien exposer tous ces messages codés, ces messages cachés. Oui. C'est à ce moment-là que vous allez voir que les filles vont commencer à s'affirmer, se met de plus en plus nu. Et au fur et à mesure que vous commencez à regarder des clips où vous voyez les femmes nues, vous participez, ou encore vous commencez à participer à des rituels. Parce que quand vous regardez un clip, par exemple, il y a un clip un jour qu'on a vu. Dans ce clip, on voit un homme assis sur une chaise royale. Et cet homme était entouré de femmes prostituées, de filles prostituées. Elles étaient tous en slip. On pouvait tout voir. Tout ce qui était caché, ce sont les tétons et puis les parties intimes. Sinon, les fesses, tout ça s'était exposé. Dans les clips, dans ce clip. Et ça passe même à la télévision. Même ton enfant peut voir ça comme ça. Et pour les gens, ça devient normal. Et dans ce clip, cet homme-là, il était tranquillement en train de fumer et il y a une de ces filles-là qui sont autour de lui qui va tout simplement se lever avec un couteau comme ça. Et elle va se préparer maintenant à le poignarder. Tout ça dans les clips. Quelques temps plus tard, on voit le sang. On voit le sang. Et vous ne vous poserez pas la question de ça, mais pourquoi un tel scénario? Pourquoi une telle mise en scène? Ils sont tout simplement en train de vous dire que premièrement,
le diable est présent de s'écrire. Deuxièmement, vous êtes en train de participer à leur péché en regardant et en aimant surtout ce clip. Et vous participez à ce rituel qui a lieu. Parce que parfois, ils peuvent même faire une mise en scène où ils font réellement un rituel. Rien que pour le clip, et c'est filmé dans le clip. Il se dit de toute façon que personne ne sait ce qui se passe. Les gens pensent que c'est une mise en scène, personne ne saura. Et voici comment les gens reçoivent des démons chez eux, rien qu'en regardant les télévisions. Ah! Parce que tu regardes le clip. Tu regardes le clip pas seulement à ta télévision là. Les démons entrent en toi. Parce que tu es en train de participer à un rituel. Et toi, tu n'es même pas informé de ces choses. C'est pourquoi je suis bonne année, mes frères et sœurs. Pour vous dire des choses, de ces choses assez bizarres là. Vous allez même peut-être même dire, mais comment c'est possible? Si tu crois, si tu veux vraiment savoir tout ça, faut aller chercher de toi-même. Analyse chaque élément que nous voulons te donner. Et ce n'est même pas tout. Il y aura une deuxième partie encore. Abonne-toi en dessous de cette vidéo en cliquant sur abonner. Clique sur abonner. Clique sur la cloche à côté de s'abonner. Clique sur j'aime si tu as été touché déjà. Et dites-nous, qu'est-ce que tu aimerais comprendre encore? Nous allons tout vous dire. Nous allons tout vous dire. Le diable est en train de mettre à jour ses stratégies. Et nous devons vous révéler ces choses pour bien vous préparer. Si tu veux écouter de la musique, n'écoute pas la musique profane. Écoute une musique qui est pure. Une musique où on adore ton Dieu, l'Éternel Dieu des armées, le Saint-Esprit, Dieu honoré. Tu écoutes une musique qui va t'envoyer au ciel ce faisant. Mais si tu passes tout ton temps à écouter de telles musiques, où on parle de tout et de rien. On va parler de la vie. Mais dans cette histoire de la vie, on va dire quoi? On va dire qu'il chante et pas de la vie. Il parle de certaines choses comme la vie, comment la vie est difficile, mais il ne faut pas perdre espoir. Mais pendant que tu regardes en même temps le clip là, ou bien pendant que tu écoutes en même temps la chanson, regarde le clip. Et tu qu'on parle de la vie, on parle de trucs. En même temps, voici une fille qui est en train de marcher et la caméra est braquée sur ses fesses. Toi, ça te dit rien. Toi, ça te dit rien. Tu ne poses même pas la question de savoir, mais pourquoi c'est sur ses fesses on montre? Ses fesses ont quoi à voir la vie? Oui! Ah! Tu as dit qu'il donne des conseils de sa musique. Tout le monde peut chanter pour donner des conseils. Mais en bas là, en bas de ce qu'il est tenté de faire là, il y a le diable qui est là, il y a la sorcellerie qui est là, il y a une marmite de la sorcellerie qui est en train de bouillir. Et c'est cette marmite là qui lui donne son succès. Est-ce que vous comprenez? Je suppose que vous allez comprendre. Je suppose que vous allez comprendre. Récemment, j'ai vu encore un clip. De ce clip là, waouh, je suis même étonné. Voici la scène. Excusez-moi, je vais éternuer. Ça vient, ça va. Bon, ça va aller. Dieu va nous aider. Voici ce que j'ai vu dans le clip. Ah! Dans le clip là, voici comment ça commence. On voit des filles. On a l'impression que Elles ne sont même pas là. Quand on dit elles ne sont pas là, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est comme si elles sont en transe. Voilà, exactement. Ou bien elles sont sous possession démoniaque. Donc leur concept n'est plus là. Il y a une autre entité qui la possède. Et dans le clip, et celui-là même qui doit chanter là, autour de lui, on voit des serpents. On voit aussi des têtes de chèvres. Or, dans la musique aujourd'hui, on reconnaît un dieu qu'on appelle le dieu de la musique. Un dieu que les gens adorent pour avoir beaucoup de succès dans la musique, qui est appelé le dieu Baphomet. Et Baphomet, il est vraiment adoré. Et ces gens-là, pour aller plus loin, Ils exposent son image dans ses clips juste pour mettre sa présence.
ça revient au même, c'est le diable. Et ce qui est étrange dans ce clip, c'est que quand vous écoutez la chanson de cet homme, il est sans cesse en train de vous dire à ses fans qui vont écouter cette musique, stop, stop, arrêtez maintenant, vous allez mourir, arrêtez maintenant, vous allez mourir, c'est mauvais pour vous, arrêtez. C'est le refrain de sa musique. Et personne ne sait que c'était un avertissement que ce gars-là est en train de donner ouvertement. Parce que quand on regarde son aspect, on regarde son visage là, on ne peut pas savoir si ce gars-là même, ce qu'il est en train de dire là même, c'est sérieux. Mais il transmet un message à ses fans pour leur dire, vous êtes en danger en regardant et en écoutant mes musiques. Parce que il a vendu son âme au diable, pour commencer. Et tous ceux qui vont écouter, rien que écouter ces musiques et les aimer, seront tous les problèmes. Parce que les démons vont utiliser cet instrument-là pour le condamner à la fin. Oui, parce qu'en écoutant la musique qui ne vient pas de Dieu, c'est comme si on s'exposait au péché. C'est comme si nous étions en train de pécher. C'est une histoire de désobéissance à Dieu. C'est la même chose. Le diable ne joue plus. Il ne rigole même pas même ce gars-là. Il veut transporter toute la planète même en enfer, si c'est possible. Mais que Dieu nous aide aujourd'hui, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Mais avant que Dieu arrive jusqu'à nous, là, il faut que nous-mêmes, on se réveille un peu. Dieu merci, sur Internet, on peut voir si tes collègues qui y a, en parlent un peu. Ils expliquent ce que signifie tel clip. Pourquoi tel ou tel artiste a pris un serpent pour positionner ce serpent dans le clip. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous poser une question. Dites-nous. Que signifie un clip où il y a la présence d'un serpent? Qu'est-ce que ça signifie? Pour pouvoir comprendre ça, il faut se poser des bonnes questions et les vraies questions. Parce que si tu ne te poses pas les vraies questions, tu n'auras jamais les vraies réponses. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Number one, numéro un, tu dois chercher à savoir que signifie même un serpent. Et pour pouvoir bien comprendre ce que signifie qu'un serpent là, c'est là maintenant tu vas te référer aux livres religieux. Qu'est-ce que les hommes mystiques pensent du serpent? Et toi, tu dois analyser ça. Si tu n'es pas au courant, nous allons te dire que aujourd'hui là, pour avoir du succès, il y a beaucoup d'artistes qui ont décidé de s'allier au diable, même d'ajouter, de faire de la sorcellerie même dans les clips, de la sorcellerie carrément, de la sorcellerie pure et simple, rien que pour gagner des fans. C'est-à-dire, ils vous transmettent des malédictions. Ou encore les démons, ils vendent vos âmes au diable, et puis eux, ils s'enrichissent. Quand ils vendent, au fur et à mesure, ils vendent vos âmes au diable, eux, ils gagnent de l'argent. Oui. Et les concerts sont remplis. Donc, le serpent là, tu dois chercher à savoir, mais qui est-ce? C'est en ce moment là, si tu es vraiment intelligent, tu vas prendre la Bible. Quand tu vas prendre la Bible, 66 livres, c'est en ce moment là que tu vas te rendre compte que dans les jardins d'Éden, il y a un gars qui était venu devant Ève. Et ce gars-là, il est entré dans un serpent. C'est-à-dire la forme qu'il a prise, c'est la forme d'un serpent. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que, ici, un serpent est censé représenter un mauvais gars. Un gars même que tu ne dois même pas aimer. Pourquoi? Parce que c'est le diable. Parce que c'est le diable. Mais comment se fait-il là que ce gars-là même qui chante même dans ce clip là, comment se fait-il qu'il transporte ses pas comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas à lui? C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que il ne peut pas vous dire qu'il est sataniste. Il ne peut pas vous dire qu'il est occultiste. Si vous avez dit, il faut dire Dieu merci. Même si vous le dites même, vous ne le croirez pas. Mais il y a des signes qui seront là pour vous montrer que ce gars-là, il appartient déjà à Satan. Et il faut vraiment faire attention
à tout ce qui fait sortir comme musique, comme tous mes frères et sœurs, vous pouvez pas imaginer. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Dès que nous aurons atteint les 1000 j'aime, bon, on va dire 10 000 j'aime, nous ferons la deuxième partie pour vous en dire plus sur le sujet. Pourquoi on dit 10 000 j'aime? C'est tout simplement parce qu'on a plus de 25 000, on a plus de 24 000 abonnés. Donc si on dit 10 000, c'est pas mauvais. Et deuxièmement, c'est tout simplement pour voir qui sont ceux qui sont vraiment intéressés par ce sujet, qui veulent vraiment découvrir qu'est-ce qui se trame clairement derrière les musiques qu'ils écoutent. Analysez vos musiques, hein, mes frères et sœurs. Avant qu'on atteigne les 10 000 j'aime, là, commencez déjà à analyser les clips que vous aimez le plus. Et cherchez à savoir quels sont les signes sataniques et comment votre vie est en danger quand vous êtes exposé à de telles choses. Préparez-vous pour notre vidéo qui va venir, mes frères et sœurs, ça va être chaud. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et on se revoit. Que Dieu bénisse, mes frères et sœurs. Prenez soin de vous.